Hi Mina, c'est Kyu-chan. Et bien voilà, on est là pour l'épisode 11 de Shadow Heart. Et pour faire un résumé rapide de ce qui s'est passé, nous avions nos personnages qui s'étaient rendus au temple de... je sais plus, au temple des 9 paradis, c'est ça ? Et on y avait rencontré ce petit personnage qui est en fait le grand Xiaofang, c'est ça ? Avec le nom chinois, j'ai du mal. Qui nous a donc mis à l'épreuve et qui avait donc envoyé Yuri et Suzanne d'un côté pour faire une première épreuve. Et maintenant, on va y aller avec les filles de l'autre côté, avec Alice et Margaret. Alice et Margaret qui n'ont pas accès à leur pouvoir magique, ce qui va être un gros, gros problème. Elles ne pourront attaquer que physiquement, et connaissant la force d'Alice, ça va être chaud. Alors, gauche et droite, il n'y a rien, on va tout droit. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par aller en haut, parce qu'en haut, il y a un coffre. Voilà. Une dent de tortue noire. Dans le coffre qui est là, je vais l'ouvrir quand même, mais il est vide. Voilà, il y a des coffres trolls. En bas, c'est juste un raccourci. En haut, c'est un raccourci. Enfin, un raccourci. En fait, ce sont deux téléporteurs qui sont connectés l'un à l'autre. Donc, voilà. Celui d'en bas va me mener en haut et inversement. Alors, toi. Tu n'aurais pas une arme pour... Si. Voilà, maintenant je peux lui acheter, parce que j'ai de l'argent. Là, hop, hop, hop. Et il me faut la deuxième ressource, ça c'est obligé. Alors si je me trompe pas, on peut aller jusqu'à 50%, donc on peut avoir jusqu'à 5 ressources. Mais je vous jure que plus vous avancez, plus ça devient dur à obtenir. Alors par contre, on va peut-être voir pour acheter aussi quelques équipements pour les filles, parce que ça risque d'être vraiment nécessaire. Je dirais que j'en ai pas acheté pour les mecs, mais eux, ils en avaient pas forcément besoin tout de suite. Mais les filles, je sens qu'elles vont en avoir besoin. Hop, hop. Oh purée, c'était tout juste, tout juste. Et... Ah mais il m'en faut un deuxième en fait, parce que les filles ont le même truc. Hop, hop. Hop, voilà. Et encore un. Hop, hop. C'est quand même pratique parce que j'ai quand même gagné quasiment 600 cash. Hein. C'est à 2700 et il me l'a vendu à 2100. Hein, donc, j'ai un petit peu plus, mais bon. Voilà. Donc, on va leur donner. Ça monte quand même de 10, il me semble. Donc, c'est quand même pratique. Ok, et elle a ça en plus. Voilà. Et on y va. Ça commence bien. Bon, évidemment, les monstres sont un peu moins coriaces ici, je pense. C'est quand même... La difficulté est quand même adaptée, normalement. Bon, désolé, mais toi, tu vas rester en défense. En plus, avec le peu de points d'esprit qu'elle a, il faudrait vraiment que je trouve un objet qui augmente son esprit, parce que Alice n'a vraiment pas d'esprit, quoi. Pour quelqu'un qui a un don de voir les... De comprendre les esprits et tout, elle a vraiment pas l'esprit. Le mental, plutôt. Ouais, tu restes comme ça. Et toi, tu peux te mettre au paquet. Je tiens à vous préciser tout de suite que Alice va souvent rester en défense. C'est beaucoup Margaret qui va attaquer, hein. Donc Alice sera énormément en défense, ça c'est obligé. Alice qui gagne un level, c'est cool. Et évidemment, comme on n'a pas Yuri avec nous, on ne gagnera pas de points pour les âmes. Alors on va commencer par descendre, parce qu'il y a deux objets à récupérer en bas. Alors, hop. Voilà, ici il y en a un. Ceinture de western, ok. Il y en a encore un tout en bas. Ici, une poupée vaudou, toujours intéressant, et un monstre. Oh purée! Bon, cela peut-être attaquer, c'est des petits monstres. Bon, elle n'arrive même pas à les buter. Allez, je devrais pouvoir trouver qu'avec deux normalement.
Ça, c'est des monstres de lumière, normalement. C'est ça que j'aurais dû rencontrer avec Yuri. Parce que Exorcist Flèche, c'est un sort de lumière, quoi. Bon, normalement, je suppose que Alice devrait tuer le dos maintenant. Elle devrait l'acheter quand même. Voilà, il en reste plus qu'un comme ça. Allez, en plus, ils sont beaux les crânes. Ils ont une belle couleur, je trouve. Blanc et bleu comme ça, ils sont vraiment beaux. On va juste faire Margaret après. L'avantage, c'est que je peux pas utiliser ma magie en combat, mais je peux l'utiliser hors combat. Donc je peux soigner Margaret avec Alice. Ok. Alors. Donne-moi. Allez, le menu. Je me trompe toujours de bouton en plus. Alors. Hop, voilà. Allez, on remonte. On passe par ici. On va en haut. Tout en haut. Voilà. Le coffre là, il est vide. On l'ignore. On monte tout en haut. Là, on prend ce coffre là. Voilà. À droite, c'est un cul-de-sac. On redescend. On va à droite. On va tout à droite. Ce coffre là, il est vide. On descend. Ce coffre là, on le prend. Voilà. On remonte. En haut, ça nous intéresse pas. C'est juste un téléporteur raccourci. Donc ça nous intéresse pas. Et la suite du chemin est tout simplement à gauche. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le labyrinthe des filles va être beaucoup plus rapide à faire. Voilà. Maintenant, faut voir comment elles vont se débrouiller face au boss. Ici, ça nous intéresse. Sablier en or. Hop, voilà. Alors, normalement, ici, il y a un objet aussi encore. Là, voilà. C'est quoi? C'est une bouloire de sorcière? Et le téléporteur avec un monstre qui nous attend juste en face, comme par hasard. Trois monstres qui nous attendent juste en face, comme de par hasard. Hop, 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 voilà. Est-ce qu'elle pourrait le one-shotter quand même, ces gens-là? Ah non, ce serait trop beau. Non, c'est pas grave. On va les achever quand même. Allez, hop. Voilà. Et normalement, Alice va achever le sien. Oh, imparfait. Voilà. Comment elle se cache derrière son bouquin, ça me fait trop rire. Alors, ça c'est fait. Et donc on n'a plus qu'à prendre le téléporteur. Voilà, avec Sifa qui est juste ici. Par contre là, je vais voir pour acheter quand même de quoi me soigner. Parce qu'après tout, j'ai pas accès à la magie, donc... Voilà, j'en ai combien? 11. On va peut-être prendre celle-ci plutôt. On va en prendre une dizaine. Ça fera l'affaire. Hop, hop, hop. Okay. Hop, 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 voilà. Comme je vous ai dit, et ce qu'il faut que je prenne aussi, c'est surtout ça. Ça, j'en ai 8. Et bah aussi, c'est pas vraiment nécessaire. Moi, je vais quand même en prendre. Ça fera l'affaire. Juste au cas où. Mais au début, je me contenterai des 3. Je veux dire, Alice a pas encore assez de points de mental pour qu'on commence à gaspiller celle de 6. Voilà, on y est. Alors d'abord, point de sauvegarde, très important. Deuxième chose, aptitude spéciale, on va soigner, parce que de toute façon elle aura pas accès à la magie pendant le combat, donc je peux gaspiller les points de mana.
Et donc, on sauvegarde en vitesse. Et il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, gnagnagna. On place... Non. On place la main devant, voilà. Et... un ennemi. Oh, qu'il est moche. Oh, il est très très moche. Bon. Ah, allez, hein, c'est pas vrai. Bon, on va quand même la faire attaquer un petit peu. Même si elle a peut-être pas servi à grand chose. Oh non, pas ça. Bon, ça va, c'est Alice, mais bon, c'est chiant quand même, la paralysie. Bon, toi, tu vas être en défense. Heureusement, elle peut quand même utiliser les objets, même si elle est paralysée. Elle peut juste pas attaquer. Ouais, c'est pas vrai, hein. C'est pas le moment de louper mes attaques, moi. Faut surtout que je surveille la jauge de EM de Alice. Ça, c'est obligé, quoi. Si je vais devant lui donner un objet. On va attendre le prochain tour. Au prochain tour, je donne un objet. Je demande à Alice d'utiliser un objet pour son mental. Parce qu'avoir un personnage fou, je vous jure que c'est horrible. Alors, là. Voilà. Donc ça, elle va en récupérer 4. Ça lui fera 5 sur 6. C'est pour ça que j'ai dit que ça servait à rien de... J'en avais pris quelques-unes au cas où, mais ça sert à rien de utiliser 6 pour l'instant. Elle n'a pas assez de mental. Ouais, un strike, ça c'est cool ça. Allez, tu commences à me deviner de la tête maintenant. Je crois que tu commences à me deviner, non? Sans que je l'ai vu se redresser. Oui, en effet, il commence, c'est bien. Oui, heureusement, comme je l'ai dit, c'est quand même adapté à la difficulté. Hein. Vu que c'est les filles. Attention, je ne fais pas de côté sexiste, mais vu que c'est les filles et qu'elles n'ont pas beaucoup d'attaques physiques. Donc c'est surtout des magiciennes à la base. L'ennemi n'a pas beaucoup de points de vie. Il en a à peine 400 en fait. Donc il en a 380. Ben voilà. Je n'aurais pas eu besoin de soigner Alice comme ça. Mais c'est pas... ça n'a rien de sexiste. C'est juste que... Même moi qui suis une fille, je le reconnais. C'est juste que voilà. Alice est une pure magicienne et Margaret, elle est surtout là pour le soutien en fait. Donc niveau physique, c'est pas trop ça quoi. C'est juste leur compétence quoi, leur job. Alors, on a réussi Margaret. Ce n'était pas trop mal. J'en ai quand même pas mal bavé. Bah oui, c'est toi qui as tout fait en même temps. Miaou, bravo mesdemoiselles. J'ai du mal à croire que c'est votre première fois. La porte du palais Niwan va maintenant s'ouvrir, miaou. Sauf que c'est pas encore fini. Pour elle, ça s'ouvre, pas pour nous. Tu crois qu'elle s'en sortirait? Ces donjons sont difficiles. T'inquiète pas, cette petite a la tête bien sur les épaules. Et puis Margaret est avec elle. Cela ne va pas être long. Cette porte va bientôt s'ouvrir. Et on pourra entrer dans le palais Niwan. Et papy? Quoi? Mon père, c'était quel genre de type? Parle-moi un peu de lui. Le seul souvenir que j'ai, c'est quand il travaillait à la ferme et le masque de renard qu'il m'avait acheté. Eh bien, c'était vraiment un homme de principe. Est-ce que tu sais comment j'ai fini par aider Yuga, petit? Quand je l'ai rencontré, c'était un agent japonais. C'est pourquoi je lui ai pas fait confiance tout de suite. Nous nous disputions de temps en temps, comme toi et moi, mais après on en riait toujours. Mais ce que j'aimais vraiment chez ton père, c'était... bien que...
Comme toi, il se battait contre les injustices, même si cela signifiait se battre contre son propre pays. Il se battait non seulement pour son pays, mais aussi pour tous ceux de ce continent. Très souvent, il se demandait s'il n'aurait pas pu se construire lui-même un pays plus juste. Est-ce que c'était un homme bien ? Absolument, c'était un vrai ami, plus vrai que je le méritais. Je vois. Je suis sûre que mon père ressentait la même chose à ton égard. C'est gentil à toi de dire ça, mon petit. Ah, ça y est. Hé, la porte est ouverte. Très bien, je savais que les filles allaient réussir. Mesdames et messieurs, le dernier donjon, le palais de Niwan, est droit devant. Miaou! Mais avant d'entrer, il vous faut affronter une nouvelle épreuve. Miaou! Miaou, miaou! Objets et aptitudes spéciales ont été scellés par le grand Xiaofang. Donc je ne peux ni utiliser d'objets, ni mes capacités spéciales. Je ne pourrai que attaquer ou fuir. Enfin, ou défendre. Pfiou, je peux même plus fusionner. Aïe, tu veux dire que j'ai perdu aussi mon pouvoir de fusion? C'est pas vrai, le vieux ne pourrait pas nous lâcher un peu, non? Là, vous allez comprendre. Vous comprenez que là, ça va commencer à devenir très très dur. Lui. Alors ici, par contre, il y a un objet très important qu'il faut surtout pas louper. Et en plus, il y a le joueur de loterie. Par contre, je sais pas s'il y a un truc intéressant, mais on va quand même aller jeter un coup d'œil. Alors, par là. Je prends le chemin le plus rapide. Hein. Les coffres qui sont vides ou les chemins inintéressants, j'y vais pas. Hein. Ça sert à rien. J'ai pas beaucoup de temps pour faire le donjon. Enfin, si, j'ai du temps pour faire le donjon, mais bon. Vu que je vous consacre une demi-heure par vidéo, maximum 40 minutes, c'est pas évident. Ça, c'est des monstres aquatiques. J'en ai pas vraiment besoin, malheureusement. Par contre, j'aurais dû me soigner avant de partir. J'ai besoin de me rendre compte que je suis pas soignée. Zut. Bon, d'ailleurs que je pense à acheter... Oh non, pas confusion. Ça va. Bon, d'ailleurs que je pense à acheter... des armures pour les deux autres. Parce que c'est vrai que j'avais pas acheté d'armure pour eux. Alors... Voilà, vous voyez que... Ma fusion d'eau est passée au niveau supérieur. C'est déjà la deuxième. Là par contre on va quand même soigner parce que c'est un peu dangereux, c'est un peu mortel. Voilà. Voilà. Le PM, on s'enfuit, de toute façon je peux pas me transformer. Alors, on continue, on avance, on essaie de tout récupérer. Ce coffre-là, on l'ignore, il est vide. Là, celui-ci, on le prend. Voilà, ici, on va à gauche. Ici, on monte. On prend le coffre. Une bénédiction d'âme, ok. Encore ? Saleté de méduse. Hop, hop. Je sais qu'elle ressemble à Lily. J'y arrive. Elle ressemble à Lily dans leur forme deuxième forme. Mais bon. C'est quand même pas une raison. Non, pas confusion ! En même temps, c'est lui, c'est pas encore trop grave. Mais bon. Il fait pas encore assez mal pour vraiment m'attirer des ennuis. Mais bon, c'est chiant quand même. Normalement, je pense que la confusion... s'annule à la fin du combat. Faut que je vérifie ça, mais je pense qu'elle s'annule. Voilà. D'accord, je suis pas sûre qu'elle s'annule finalement. C'est moi où la lumière a augmenté. Je me rappelais pas qu'elle était déjà à 23. Si, elle s'est annulée, c'est bon. Ici on tourne. Ce coffre là, on l'ignore, on descend. Donc on est revenu. Ici, on passe par là. Ce coffre là, on le prend. Graine de mana, voilà. Ici, on va à droite. Le coffre là, on le prend. Un ours Leonardo, ça c'est toujours cool. Alors, lui. Toi, tu vas me vendre des armures. J'en ai besoin. Alors, là. Oui, je peux en prendre deux d'un coup, c'est bon. Fais-moi l'armure tout de suite. Tac, 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 c'est bon. Et la suivante, j'ai quand même gagné 1000 cash. Hein. Ouais, c'est bon. Il suffit que je dise ça pour que j'échoue la deuxième. Alors, on va les équiper tout de suite.
Hop. Celle-ci. Et celle-là. Voilà, comme ça j'ai un peu plus de défense. Alors, ici, on ne descend pas. On va monter. Voilà, j'ouvre le coffre par derrière, moi bien sûr. Hop, voilà. Alors, ensuite, on va descendre. On descend, j'ai dit. Hop, on tourne. Ah, un crapaud. Crapaud ! Suceur de cerveau ? C'est comme ça qu'il s'appelle ? Purée, c'est dégueu. One shot ! Alors... Qu'est-ce qu'il fait monter, lui ? La terre, ok. Je veux de la lumière ! Donnez-moi de la lumière ! Alors, ici, on descend. Voilà. Ici, il est joueur de loterie. Toi, t'es pas un âne. Même le grand Xifa n'en a aucune idée. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il a? Un badge flash. Attendez. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ça a été facile. Alors, juste... Le badge flash, qu'est-ce qu'il fait? Juste pour voir, qu'est-ce qu'il fait le badge flash? Agilité plus 20%, mais... Ah ouais, vitesse indicateur x2, non, laisse tomber. Mais bon, comme ça on l'a, c'est déjà ça. Alors là-dessus, on va remonter, comme ça on va quand même jouer avec lui. Ce coffre-là, il est vide, on l'ignore. D'abord, on va aller là. On prend ce coffre-ci. Casquette à clous, ok. Ici, on descend. Ça, on le prend. Et on descend parce que tout en bas, il y a un coffre extrêmement important. L'objet qui est dedans est même indispensable. Donc il faut absolument aller le chercher. Sinon, on est coincé. Voilà. Ouais, ça doit être pas plus chose, ça veut dire ça. Allez. Oh, c'est tout juste. Par contre, moi, je vais quand même tuer l'eau, parce que si elle fait confusion, ça pourrait me porter préjudice. Voilà. Et j'ai plus qu'à m'occuper de la grenouille. Que normalement, Susan devrait achever, je pense. Voilà, parfait. Ouais, non, ça ne faisait pas monter la lumière. Je sais pas pourquoi j'ai cru, mais je me rappelais pas qu'elle était déjà à 23 la lumière. Oh putain, je... Ok, il va vraiment falloir que je vide la truc. Voilà, le jeton en bois, ça c'était très important. C'était même indispensable pour finir le donjon en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment le récupérer. Encore sa saleté. Méduse. Allez, voilà. Et de une. Il y a quand même un bestiaire là-dedans qui est assez intéressant. Surtout si on aime les histoires un peu gore et un peu horribles en fait. C'est quand même un... J'ai du mal à comprendre que ce jeu ait pu passer autant inaperçu chez nous. Bon, maintenant il a peut-être pas eu une bonne... J'en parlais avec une amie. Il a peut-être pas eu une bonne publicité. Mais franchement, ce jeu est tellement bien, j'ai du mal à comprendre qu'il soit si peu connu chez nous. Pourtant, non seulement il est peu connu chez nous, mais en même temps, il est extrêmement difficile à retrouver en magasin. C'est un jeu qui est devenu extrêmement rare. Moi-même, je l'avais trouvé quand j'étais enfant,
Et je crois qu'il m'a fallu 5 ans pour essayer à pouvoir en racheter un, en fait. C'était monstrueux. Attends, qu'est-ce qu'il dit, en fait? Je viens de me rendre compte qu'il dit un truc, en fait. J'espère qu'il va me le redire. Attendez. Tu as le jeton en bois utilisé sur l'hôtel, d'accord? Un problème, c'est... Ah ouais, non, merde. J'ai été un peu vite, il me redit pas. Donc là, il confirme bien qu'on avait besoin du jeton en bois. Ce que, heureusement, j'ai. Alors, je vais d'abord me soigner. Et peut-être en profiter pour aller... faire baisser la... Quoique, plutôt que de faire ça, je vais plutôt faire ça, pour économiser mes objets. Même si j'ai accès à ni l'un ni l'autre en combat. Maintenant, on va aller au cimetière, parce que la malice commence à passer à l'orange. Et là, ça va faire mal. Parce que je vous rappelle que si elle passe au rouge, je vais avoir des ennuis. Ah, là, vous constatez qu'il y a une deuxième tombe qui a grandi. Celle du feu. Alors, on va aller baisser la malice, vite. Oh oh oh, tu souhaites calmer la malveillance? Oui, ça te dérange? Voilà, on va vite s'occuper de lui. Raté! Boule de feu. C'est déjà un monstre de malveillance de haut level. Là. J'ai attendu trop longtemps avant de calmer. Oui, méchant 4. Niveau 4, c'est quand même déjà assez dangereux. Faut éviter d'attendre trop longtemps pour la malveillance. Mais bon, normalement, si vous vous soignez avant d'y aller, il n'y a pas trop de problème. Bon. Il suffit juste d'être prudent. Voilà. Allez. Non, pas encore. Prochain coup, ce sera la bonne. Voilà. Comme ça, la malveillance est calmée. Parce que si jamais elle tombe en rouge, il y a tête de renard qui s'amène et lui, il me one-shot. Hein. Honnêtement, lui, il me one-shot. Là, je plaisante pas. Donc c'est pour ça qu'il vaut vraiment, mieux pas laisser la malveillance passer au rouge. Voilà, comme ça, là, eux, ils sont calmés. On a gagné une feuille de pur. Une feuille de pur, il me semble que c'est pour le mental, en fait. Et on ressort. Puisque, de toute façon, je ne peux toujours pas récupérer d'âme. Vu que cette bordel de dame de lumière ne veut pas grimper. Alors, on va re-soigner Yuri. Hop. Voilà. On va sauvegarder, parce que, honnêtement, je suis pas sûre d'avoir le boss du premier coup. Parce que franchement, là je n'ai que mes attaques physiques et honnêtement ça va être chaud. Parce que je peux pas me soigner, donc j'ai pas droit à l'erreur. Donc franchement là, ça va être chaud. Voilà. Et bien, on va mettre le jeton. Et voilà. Donc j'ai vraiment pas droit à l'erreur. Par contre, lui, je trouve que c'est le plus beau des trois. Bon, il est vraiment magnifique, ce monstre. Il est bizarre, mais il est magnifique. Bon. Comme je l'ai dit, pas droit à l'erreur. Ça c'est pas bon, ça. Oh non, à l'aile glacée, ça va encore, il me semble. Ça va. Bon, on va attaquer de toute façon. Ça sert à rien que je le mette en défense, quoi. Il pourra quand même pas soigner quand Yuri en aura besoin de pouvoir attaquer, quoi. Autant qu'il fasse un petit peu de dégâts que rien du tout. Ce serait bien que Yuri fasse des coups critiques quand même. Purée, mais il a fait. Lui, par contre, il a fait un coup critique, il fait trop mal. Allez. Fais un effort sur lui, s'il te plaît. Oh non, Yuri! Fais-le sur Suzanne, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, Suzanne.
Désolée Suzanne, mais c'est quand même Yuri qui fait le plus mal, donc je préfère quand même que ce soit lui qui prenne le moins de dégâts. Voilà. Ouais, un critique. Okay. Il penche toujours pas. Il a quand même 600 points de vie, hein. Donc si je pouvais enlever 100 points par tour, ce serait quand même pas mal. Je pense que c'est plus ou moins ce que j'ai fait, donc ça devrait aller. Il me semble que ça commence à dégainer. Par contre, le grand tour lui, ça c'est pas cool. Ça va, il n'y a que Suzanne qui a été touchée par le truc. En fait, ça divise la zone de frappe par deux, en fait. Et ça, pour Yuri, ça aurait été chiant. Ouais, de toute façon, on va quand même le faire. Ouais, vous voyez, c'est beaucoup plus petit, hein. Donc je suis content que ce soit Suzanne qui a été touchée et pas Yuri. Allez, c'est bon, on va la voir. Oh non! S'il te plaît, Yuri! S'il te plaît, Yuri! Ouais, c'est bon. Contre Suzanne, est en défense. Allez, achève-le! Achève-le! Oui, c'est bon! Du premier coup. Ah, franchement, je n'étais pas sûr de l'avoir. Vraiment pas sûr. Voilà! Ok, donc Yuri a gagné un level, c'est cool. Oh, pourquoi l'eau? J'aurais voulu de la lumière! En même temps, il faisait grand tourbillon, ça pouvait être que de l'eau. À quoi je m'attendais? Voilà! C'est ouvert, enfin! Bon travail! Bon alors! Grand Xiaofan, nous avons passé toutes les épreuves spirituelles. Montre-toi. Miaou, miaou. J'adore la musique. Et voilà les filles. Je suis impressionnée. Je ne pensais pas que des jeunes pourraient passer de ces épreuves, miaou. Allez, tu n'as plus de raison de nous retenir maintenant. Amène-nous jusqu'au vieil homme, d'accord ? Miaou, mais bien sûr, je vais ouvrir la porte du palais Nirvana, une seconde. Miaou, 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 miaou. Allez-y, le maître vous attend. Par contre, tu nous rends pas d'esprit, toi? Bien, oui. Alors, parce qu'en fait, là, je vais avoir besoin de quelques trucs. Attendez, ça coûte cher, mais... Je peux au moins m'en racheter un deuxième. Ah mais j'en ai déjà trois en fait. Ah mais j'ai rien dit, si j'en ai trois c'est bon. Alors, ce que vous allez comprendre, première chose... Enfin vous allez comprendre, vous comprendrez ça au prochain épisode parce que je vais m'arrêter là de toute façon. Je me soigne. Je vais le faire tout de suite sinon je vais l'oublier. En même temps je peux faire ça qu'avec les garçons, bon c'est pas grave. Alors déjà, on va lui enlever l'attaque et on va lui mettre un nounours. Et... ça je garde parce que c'est obligé que ça reste. Et on va lui enlever la défense pour lui mettre aussi un ours. Quoique en fait, il me semble que ça marche pas sur Yuri en fait. Quoique je vais le garder quand même, on sait jamais. Et on sauvegarde. Et donc, comme je l'ai dit, on va en rester là. J'ai quand même réussi à faire les deux autres donjons en 30 minutes. Et donc, on verra donc la suite au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un j'aime si vous avez aimé. Partagez la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça fait plaisir aussi. Et continuez de découvrir des jeux rétro. Vous n'aurez pas bien meilleur que le nouveau. Ciao à tous !